Salut, c'est Vincent. Très courte vidéo pour vous parler d'un sujet que j'entends trop souvent parler, ou plutôt d'une erreur qui est trop souvent commise par les personnes qui cherchent à créer leur business en ligne. Et cette erreur, c'est le fait de vouloir créer son statut d'entrepreneur avant même d'avoir vérifié le caractère rentable de votre business en ligne. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui procèdent de cette manière? C'est très simple, c'est la peur de l'impôt. La peur de se retrouver avec l'État sur le dos qui vous dit « Attention, là tel mois vous avez généré tant d'euros et pour autant vous n'avez pas créé d'entreprise, donc bam, on vous met une grosse douloureuse pour punition de ne pas avoir joué le jeu lors de la création de votre entreprise. » C'est un mauvais schéma mental, c'est une erreur grossière et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, ce que la loi dit que vous prenez le caractère de commerçant à partir du moment où vous faites des ventes régulières, d'accord? Il y a un caractère régulier dans vos ventes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain vous avez le projet de créer, de vendre des e-books, vous créez donc un votre business en ligne, vous créez une boutique en ligne, vous mettez en vente vos e-books et que vous vendez un e-book par-ci par-là, deux e-books le mois de janvier, zéro le mois de février, quatre le mois de mars, à ce moment-là, vous n'êtes pas tenu de créer votre entreprise parce qu'il n'y a pas de régularité dans vos ventes. Par contre, si cette même entreprise, au bout de 6 mois, vous commencez à vendre 50 e-books par mois, alors là, vous êtes tenu, vous êtes dans l'obligation de déclarer votre entreprise parce que vous commencez à générer des revenus, à générer des ventes récurrentes. Et ça vous permet tout simplement quoi? Ça vous permet d'être sûr du caractère rentable de votre business en ligne avant de le déclarer. Parce que si vous ne faites pas de cette manière-là, vous allez donc avoir votre projet, déclarer votre entreprise en signifiant votre activité. Donc là, en l'occurrence, ce serait vendre des e-books. Et du coup, vous allez être emprisonné dans cette activité-là. Parce que quand vous lancez votre business en ligne, vous n'avez aucune certitude que ça va fonctionner. Absolument aucune. Peut-être que ça ne vous plaira pas. Peut-être que vous n'y arriverez pas. Et peut-être qu'il va falloir vous reconvertir et essayer de vendre d'autres produits. Peut-être s'orienter vers de la vente de formation, s'orienter vers de la vente de produits physiques, peu importe. Mais en tout cas, si vous avez déjà créé vos statuts, ça complique les choses parce qu'il va falloir modifier ces statuts. Alors, ça va vous prendre du temps, ça va vous coûter de l'argent. Donc c'est, et puis, en plus, d'un point de vue moral, ça risque d'être assez compliqué aussi. Donc, c'est vraiment pas idéal. Alors que si vous créez votre statut uniquement quand vous êtes sûr de pouvoir vivre des revenus que va générer votre entreprise, c'est quand même beaucoup plus secure. Et d'ailleurs, si vous souhaitez créer votre business en ligne, si vous souhaitez savoir comment je fais moi pour gagner entre 100 et 300 euros par mois avec un business dans lequel je ne travaille absolument pas, c'est-à-dire que je ne travaille même pas une seule seconde dedans et pour autant il continue à me ramener entre 100 et 300 euros par mois, comment j'arrive à faire ça? Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou sur la vignette qui vient de s'afficher à votre écran. Et si votre inscription est acceptée et validée, alors à ce moment-là, vous allez recevoir ma formation offerte où je vais vous expliquer comment je fais pour y parvenir et je vais également vous expliquer comment faire pour dupliquer le système sur plusieurs business de façon à pouvoir vous aussi atteindre l'indépendance financière sur Internet. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao !